Bonsoir, c'était calme pour ce début du mois de mars avec un soleil dominant malgré des nuages bas tenaces dans le centre-est. Il a fait bien froid pour cette première matinée du printemps météo. On a relevé jusqu'à moins 9,3 degrés dans le département de la Haute-Marne, moins 8 également dans celui de la Côte d'Or. Demain, le soleil va s'imposer dans toutes les régions du nord en cours de matinée, mais les nuages seront plus nombreux dans le centre-est avec des nuages bas et dans le sud-ouest avec de la grisaille. On pourrait même avoir quelques flocons entre le sud du Massif central et les Pyrénées. Notez aussi l'instabilité qui perdure sur l'est de la Corse et que l'on va retrouver aussi en cours d'après-midi. Encore un ciel encombré pour le sud-ouest du pays. Quelques éclaircies dans le sud-est et puis toujours un beau soleil pour les régions du nord. Les températures de ce jeudi matin restent bien froides, des gelées très nombreuses, localement fortes dans les campagnes. Et l'après-midi, on retrouve des valeurs en hausse avec néanmoins une fraîcheur sensible. Il fera en moyenne entre 7 et 10 degrés, jusque 15 attendus pour le Languedoc. Vendredi, des nuages nombreux du sud-ouest au centre-est, mais aussi entre la Manche et la Belgique. Les plus belles éclaircies sont attendues du Morbihan à la Lorraine et des Alpes à la Méditerranée, sauf en Corse avec encore des averses, des températures qui resteront froides le matin et fraîches en cours d'après-midi. Le week-end avec une évolution très légère pour samedi, de la grisaille toujours du sud-ouest au centre-est et sur les régions du nord. On attend des éclaircies sur une petite bande centrale du pays et un beau soleil entre les Alpes et la Méditerranée, avec encore du froid pour la matinée et des températures simplement fraîches en cours d'après-midi. Le temps va rester gris pour dimanche dans les régions de la moitié nord. Quelques gouttes pourraient d'ailleurs tomber sur les régions les plus au nord. Le soleil sera présent de la Dordogne à la Méditerranée. Il fera assez froid dans le nord du pays, simplement frais dans le sud. Des températures froides pour le nord lundi, avec peut-être quelques gouttes entre la Bretagne et la Belgique. Ailleurs, des nuages de plus en plus nombreux. Encore davantage d'éclaircies au sud-est. Et puis à partir de mardi, c'est l'instabilité qui pourrait reprendre le dessus, avec sur la moitié nord un risque d'averse mais aussi de giboulées puisque les températures seront hivernales, moyenne de 6 degrés seulement l'après-midi pour la moitié nord. Et ce risque de giboulées, on le retrouverait pour mercredi, notamment dans le nord, le centre et l'est. On aura bien sûr l'occasion d'affiner ces prévisions dans les prochains bulletins. Et on va terminer ce soir dans le département de l'Orne. Il y a eu hier soir un peu de neige sur les collines de la Normandie et ce matin on s'est réveillé avec des routes verglacées et des paysages enneigés comme ici sur la commune de Saint-Jean-des-Bois. On est à 300 mètres d'altitude. Ça a rapidement fondu en cours de journée. Demain, nous serons le jeudi 2 mars et nous gagnerons encore 4 minutes de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.